L'histoire débute en 1704. C'est là où mon arrière-arrière-arrière-grand-père était pour la première fois meunier au Luxembourg. Et c'est depuis là qu'il y avait toujours une branche de notre famille qui était meunier au Luxembourg. L'histoire ici à Kleinbettingen commence en 1894. C'est les familles Fribourg et Wagner qui construisent les moulins de Kleinbettingen et ceux d'Arlan. Et c'est mon arrière-grand-père et ses deux frères qui rachètent ces moulins en 1921. Et c'est là, en fait, où commence, si on veut, l'histoire moderne de notre entreprise familiale. Aucun dans notre famille, ni mes deux cousins qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, ni ma sœur, ni moi, on a été conditionnés pour travailler dans l'entreprise. Tout le monde a fait ses études. Mon père est venu voir chacun de nous parce qu'il y avait une opportunité quelque part dans l'entreprise et de dire là, aujourd'hui, on a besoin d'un dirigeant pour développer un marché, pour ouvrir un nouveau marché. Et chacun avait envie de relever le challenge. Et donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ça n'a été dur à vivre pour personne. La première chose clé qui est arrivée, c'était mon arrière-grand-père qui a racheté les moulins de Kleinbettingen et les moulins d'Arlan en 1921. Il a beaucoup modernisé les moulins et beaucoup développé l'activité. Si on prend après la génération de mon père, c'est le développement de la semoule qui aujourd'hui représente 50% de notre activité. C'est beaucoup de moments clés qui font qu'on est aujourd'hui où on est et c'est un esprit d'entreprendre qui va à travers les générations et à travers la famille. Et voilà, qui fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui.